Donc on va fumer de l'herbe spéciale. Et normalement après je vais avoir juste qu'à t'inviter et voilà. En gros c'est un peu le même délire que les périodes quoi en gros. Et en gros pour t'expliquer brièvement, Lamar il a un truc de drogue, il a mis enfin un truc de shit quoi, clairement de beuh, il a mis un truc spécial dans la beuh, ce qui fait que quand tu fumes sa beuh, tu changes, tu pars dans... T'es plus perso en online, tu pars dans l'âme de... dans le corps de Franklin et de Lamar, enfin c'est assez space. Bon c'est surtout une excuse pour fumer quoi. Ouais, sûrement. Ah ouais, direct on enchaîne en mission. Check out the new ride, homie. Man, what the fuck is this? This is the new delivery van. What the fuck? Last one I filled it up with weed, right? Them fools tried to jack my shit. But this time, it ain't nothing in there to jack. Because I made it a weed. Hmm? You made this a weed. Man, the whole thing is Il est fabriqué en cannabis. You try to get up there and steal some shit out of there now? Ils sont vraiment partis jusque-là. Le revêtement du truc, c'est du shit, quoi. What the fuck? Ils sont abusés, quoi. Ouais. You are such a glasses half empty type of nigga these days, Franklin. Don't worry about that kind of stuff no more, man. This your boy Lamar, man. I got this. I'm out here innovating shit. I got a real big play with a genuine celebrity. You know, the type of motherfucker you like to be around these days since you all high-powered and bougie and like to feel special and important and shit and don't really give a fuck about your day ones who is running plays. Il sent pour voir ça à l'odeur et tout. That nigga caring about you in these streets, caring about your emotional health and shit. You all crying, I'm holding your hair so you don't creep all over your auntie rug and shit. That was me, but you don't give a fuck about that kind of shit these days. Man, fuck you. Man, come on, Frank, man, ride with your boy, man. I need you on this, man. Come on, man, you my nigga, man. Come on, man. Well, who's the celebrity? Ah, now you biting. Go on, get in there, man. Go on, get in. Don't worry about that, man. LD Organics got some seed money. A real certified investor, man. We gonna win. Bon, apparemment, c'est toi qui pilote, Captain. Ouais. Avec ton camion, fais le shit. Rapid Yuga Custom. Ah, vas-y, on pourrait être custom, il est custom. Lui, il passe pas la douane, mon pote. Hein. Tu m'étonnes. Il est quand même un seul dans le camion, avec LD organique sur le côté. Comment ça peut passer ce truc-là, en vrai? Plus c'est gros, plus ça passe, Captain. You the only nigga I trust, man. I need you to go up there and keep an eye out for me, man. I'm trying to be a businessman. I gotta come off as professional. Man, I don't know what the fuck your ass be up to, dog. But I got you, all right, homie? Hey, when we get back to the hood, vegan chitlins on me. Man, fuck you, Lamar. Lamar! Jimmy! Ok, je vois un peu le sens de la mission. No, maybe on the phone, but what's happening, girl? Great to meet you in person. I got an assistant too. His name is Franklin, but he has somewhere to be. Shit, I do for this motherfucker. Yeah, well, let's get down to it. Now, where they do it. LD Organics. It is some business, my friend. And you are a clever man. Very effing clever. I mean, once I saw the product, I had my people run the numbers. It's exactly what we've been looking for. Tithe, you thrive. You got to speculate to articulate. Nah. Once you sign the paperwork, it's all go. Hammer down, world domination. Kiflum. 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 Non, j'ai cru. We're gonna reach a new paradigm of freedom, success, and understanding. Bless the tools. Hey, can I show you something that's gonna blow your mind? Hell motherfucking yeah. Marnie, you ready? Okay. Look at your van. This is where you are right now, stuck in the present. But with Jimmy on you, whoa, you enter a world of limitless possibility. You fucking with me, right? Also has to get signed off by marketing and go through legal, but what we end up with is gonna be pretty close. Come on, man! I'm the LD and LD Organics. I am the brand. Without me, all you got is weed and some Epsilon alien looking fake ass lifeguard. Come on, look. Hey, 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 hey. That sounds objectionable. Back it up there, buddy. I mean, without my name recognition, this business is dead in the water. I mean,
Whose face do you think these kids want to see on the side of their bongs? Hey, Lamar. Lamar, I gotta holler at you real quick. Hey, look. Jimmy, let me get a minute. Give me a minute, man. Let me handle this business. Big deal's going on. I hope he's not an unsavable. Kiflam. 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 Kiflam, ils arrêtent pas. What you think of buying with an asshole like that gonna do with your business? Look, man, you either gotta eat shit from these people, or you gotta tell them what the fuck to stick. Man, why you trying to come at me like you my daddy or something, man? I don't even know that fool. You can't have it all. And why I can't have it all? I want it all, man. Big dog, big nuts, big dreams, man. Don't I deserve this shit after all the shit I've been through, nigga? Shit, not really. Oh, shit, hold on. Hey, niggas, a whole bunch of Hispanic dudes coming your way. The SA's here? They here? Hey, I'ma cover you from up here, bro. Hey, Jimmy, get your bitch ass out the way before you get your noodles blown, man. It's about to go down. Oh. On est parti. Oh, 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 ça... Oh, je pouvais pas viser. Tac, j'arrive. En plus, j'ai... Toi aussi, t'as une mitraillette? Ouais, j'ai l'accueil. Enfin, comment ça plus? La usine, hein? Non, c'est le genre d'accueil. Ah oui, d'accord, c'est vrai que Lamar et Franklin n'ont pas les mêmes armes. Enfin, alors, qu'est-ce qu'ils font bien chier? Ils prennent pas leur balle. Tac. J'arrive. Faut directement, juste directement essayer de péter. Sinon, il y a la tourelle si on arrive à la prendre. Ouais, il est mort le mec de la tourelle. Non, pourquoi je prends si cher? C'est l'hélico, non? Je sais pas. Ouais, je prends très cher aussi là. Attends. Ah, ok, il y avait un mec qui était sur le. En terre, en cas. Non. Voilà. Ah, il y a l'hélico qui me fait chier. Je peux pas le viser en haut. J'en ai tué un. Il a plus d'âme à bord, je crois, l'hélicoptère. Ouais, il s'en va. Tac. Ouais. T'as pas les encas à prendre au pire? Non, là c'est bon, ça va le faire. Je suis à la moitié de ma vie. Hey man, look, let me drive back. Cause I'm done getting in fucking trouble over your dumb ass. Chill, dog, it's over. And this is my fucking super van. Okay. I'm driving this shit back. Hey, are we gonna talk about what the fuck just happened? Man, shut that shit up, man. Tu vois, le bordel, il est lourd. Hein. Ah, je le sens déjà. Avec un peu la route. Je le sens dans la conduite. Pourquoi il y a un vieux filtre opaque qui arrive bizarre? Toi aussi tu l'as, non? Ouais, à mon avis, ça doit fumer là-dedans. Ah, le camion il fume. Non, c'est pas le camion qui fume. C'est qui? C'est les mecs qui sont dedans. Y'a du monde dedans? Ils sont en train de fumer là, non? Bah non, on est tout seul dans le camion. Non, t'es pas tout seul, on est deux. Ah mais y'a que toi et moi, mais c'est sûr que les deux sont en train de fumer. Bah il y en a peut-être un, je pense. Oh ouais. T'as vu la puissance de son véhicule? Ouais. C'est les PNJ, hein. C'est juste clairement abusé, quoi. Ça devient vraiment galère de tirer. Ouais, ouais, ça devient galère de... État du fourgon. Ah ouais, d'accord, en fait, c'est l'état du fourgon qui s'arrange pas. Attends, tu veux qu'on peut me dire que les dégâts du fourgon, vu qu'il est en cannabis, à chaque fois qu'il prend des dégâts, c'est le cannabis qui craque. Bah voilà, un peu, je crois. Oh ouais.
le bail qui aurait été possible. Voilà, leur véhicule là, tellement cheaté. Mais je crois que Rockstar veut te pousser à la destruction du fourgon ou quoi, parce que j'ai l'impression que c'est fait exprès. Oh, il y a des chances, hein. De toute façon, ce genre de mission là, tu peux pas avoir un taux de dégâts pire sur ta mission indemne. C'est la moitié de la ville qui était stone après ça. Sans stone dans le camion quoi, what the fuck. Pourquoi tu... Pourquoi ici qu'il faut aller? Ouais bah j'ai pas de point sur la map en fait hein. Sérieux? Vas-y faut qu'il y ait droite. Ah t'as un point toi? Bah depuis le début même. La tête de ma mère je l'ai pas. Et t'as eu le truc de tequila là, le bar. Ah d'accord, donc il est là à droite quoi, à côté de la salle d'arcade non? Ouais. Ouais. Je te jure mon gars, ça, moi ça a bugué, j'ai pas le point. Bizarre. Hein. Là c'est vraiment un van de hippie pour le coup là. Ah ça... j'ai plus de map. Voilà. Genre d'où... d'où c'est la marque qui conduit? J'avoue c'est... wow. Il y a un bug dans la matrice. La mort. Tu m'étonnes. Blaze, what's that van made of, bro? That right there, my good man, that's LD Organics, the best marijuana company in Los Santos. Holy shit! Hey, hey, look, this shit here, go to your nearest dispensary and get you. Matter of fact, fuck that. We gonna dispensarize that shit ourselves. We going nationwide, baby. All you can smoke right now. Smoke mine, y'all. Oh, free weed for everybody. Get that motherfucking camera out, man. Let's make this shit go viral. Come on, smile. Smile, nigga. Back to back, back to back, back to back. Let's do a pin pose, pin pose. Hey, LD Organics. We gonna make it live. We gonna make it big. LD Organics. LD Organics. C'est fait. I got a wrong, dog. Tanisha? Yeah, you know family shit. Family for life, you already know, but hey, look, I told you this shit was gonna crack. Didn't I tell you it was gonna crack, nigga? Nigga, I'm a motherfucking marketing genius, nigga, I'm all right, man. Hey Frank, I know you're doing your business. If you ever need an internship though, you got a home at LD Organic. Just talk to your secretary, nigga. Oh là là. Enfin, la petite musique, l'autre il part et tout, t'as compris que c'est la fin quoi. Ouais. Ouais, pas mal ces petites missions, malheureusement c'est dommage qu'il y en ait trois. Apparemment, Rockstar est censé rajouter de nouvelles missions ou des nouveaux contrats, je sais pas s'il y en aura dedans. S'ils en ont balancé que trois, pour le moment je sais pas, on verra bien. Du même genre ? Je sais pas, on verra bien. Pour l'instant j'ai pas plus d'infos, c'est ce que j'ai, des bruits de couloir que j'ai entendu. C'est sûr qu'il va y avoir une suite de nouveautés de ce DLC, mais est-ce qu'ils vont libérer deux nouvelles missions de ce style ou juste des contrats ou... on verra bien. Je sais pas.